Quelles ont été les grandes phases de la construction de la bibliothèque? Ah, alors d'après les plans de Frères et Frères, eh on a essayé de réaliser ce que vous voyez sous les yeux. C'est tout à fait en chaîne, il manque bien sûr les étagères. Alors on a essayé de donner un côté esthétique au meuble, avec un petit arrondi dans le coin. Et comment était le bois à l'origine? C'est comme tous les arbres en chêne, hein. C'est un arbre. Il est scié par des professionnels, il est séché. Et nous le rabotons, dégauchissons, on travaille ça à la toupie, enfin avec tous les outils manuels que nous avons. Et puis aussi avec les petits doigts, on ponce et on arrive à faire des petites choses comme celle-ci. Il paraît que vous avez construit une pièce métallique. On a décidé de faire une moulure sur les montants. Elle n'existait pas dans le commerce, donc j'ai pris une pièce de fer que j'ai ajustée à la lime et ça donne cette finition. Comment c'est de pouvoir travailler pour Saint-Joseph, pour le monastère? Ah, ça c'est un lien particulier avec Saint-Joseph. C'est un appel, c'est un don total. Est-ce qu'il y avait du monde à travailler avec vous? Ah oui, oui, Dominique qui est là présent. On se sent serviteur utile. Frère Efrain, Georges, et puis il y avait aussi André. Voilà, c'est une belle entreprise, l'entreprise de Saint-Joseph.